peuple haïtien. Pendant la dernière heure, Haïti s'est vécu un moment qui est très difficile. Et cela, c'est suite à l'augmentation du prix produits pétroliers à la pompe. Un pile brigandage enregistré. Barricade, vite crasé. Il y a même monde qui mourit. Accompagné de membres CSPN qui composaient de ministres de la justice, là, ministre de l'intérieur, DGPNH, avec inspecteur général en chef de PNH, et bien sûr, nous gagnons avec nous tous, secrétaire d'État sécurité publique. Non? Nous venons matin, venons faire un petit causer avec nous, pour nous expliquer, nous, pour qui ça, nous obligés de prendre une décision pour nous mettre gaz là, dans le vrai prix. Nous ne pas parler de augmentation gaz là, mais nous plutôt parler de mettre gaz là dans le prix que les douaniers. Je vais rappeler nous que de 2010 à 2018, Haïti subventionnait gaz là pour 50 milliards de gourdes. Ça qui représentait environ 1 milliard de dollars américains. Montant ça, son montant qui t'a permis de nous construire en pile kilomètres de route, environ 3000 kilomètres de route, 3 à 4000 kilomètres de route. Montant ça, t'a permis de nous bâtir en pile salle de classe. Nous connaissons que le pays noir, il y a un déficit de 15 000 salles de classe que nous avons gagné pour nous bâtir pendant les 4 prochaines années. Montant ça, par exemple, l'État permet nous de bâtir un pile centre de santé. Parce que dans toute section communale que nous gagnons, il y a 123 sections communales, pas aucune présence sanitaire, pas de centre de santé là-dedans. Pas gen agent de santé, pas gen docteur. Donc, son façon pour me dire nous, qui gens comme ça, ta ka aide nous pour nous ka développer pays noir. Mais ça passe, non seulement nous pas jouen comme taxe dans le gaz, nan, mais nous sommes obligés de prendre comme dans le trésor public. Nan. Pour nous capables de payer le gaz que nous vendons. Haïti n'a pas fait gaz. C'est comme qui t'a dû développer le pays. Hein. C'est comme ça que nous sommes obligés d'utiliser pour nous payer le gaz. Mais il faut me rappeler nous, que parallèlement, nous faisons pile d'efforts ces derniers temps. Pour nous augmenter les recettes de l'État. Pour l'année ça, les recettes fiscales ont augmenté de 17%. Et nous avons une projection que nous avons pour l'année fiscale 2018-2019 pour nous augmenter les recettes douanières à 30%. En pile, j'ai fort commencé à faire. Nous mettons sous pied l'année ça pour les frontalières. Ça permet non seulement de contrôler les frontières, contrôler les contrebandes, mais ça permet de contrôler même le trafic de monde, le trafic de monde. Si les gens qui sont en Haïti, qui sont menés en République Dominicaine, par exemple. Il faut me dire que, parallèlement à tout ça, nous faisons une lutte contre la corruption. Et nous commençons à avoir des résultats. Et pas deux, trois chèques. Zombies dans toute institution de l'État que nous arrivons à découvrir et nous démanteler en pile réseau malfaiteur
qui volait chèque zombie au niveau de l'administration publique. Bon, l'autre bagaille que d'ap combat tout en parlant de corruption, et ça aurait les surfacturations. Et par exemple, si je prends route, son bagaille qui était qu'on a coûté l'État haïtien environ 2 à 3 millions de dollars par kilomètre de route. Mais qu'on y a, en utilisant ressources de l'État a gagné, on veut parler de équipement que l'État a gagné, employés, femmes et garçons qui travaillent dans l'État, eh bien, après terrassement que nous faisons, n'est-ce pas vrai, avec ressources que nous gagnons au niveau de l'État, asphaltage, non, son bagage qui coûte nous moins que 100 000 dollars américains. Donc, son façon pour me dire nous que nous avons utilisé zone nous pour nous capables de développer le pays. Non. Bon, l'autre bagage qui est très important tout pour me dire nous qui permet nous, n'est-ce pas vrai, gagner plus de moyens au niveau de l'État, c'est la diminution de train de vie de l'État. Eh bien, l'autre, ça, vous te dit. Vous te dit, l'État, c'est choix le papa. Au niveau de l'administration, Moïse Lafontaine, nous avons arrêté que nous sortis et qui en application. Et selon arrêté ça, il y a une série de bagailles que l'employé l'État n'a pas fait. Je vais vous donner un exemple. Moi-même qui suis Premier ministre, beaucoup de gens font un voyage officiel. Et pas de toi invité. Non, je pas invité. Chaque semaine, je recevais une invitation. Chaque semaine, le ministre recevait une invitation pour partir. Donc, si nous, ouais, que chaque voyage, ça, nous avons dépensé 20-25 000 dollars, n'est-ce pas vrai, sans compter délégation qui t'a accompagné. Eh bien, depuis que je suis venu comme Premier ministre, par exemple, je n'ai jamais fait qu'un voyage officiel. Donc, c'est une façon pour me dire que, au niveau d'administration publique, nous prêchons par l'exemple, et au niveau d'administration publique, il y a un pile effort que nous faisons pour nous capables de diminuer les dépenses de l'État. Nous allons intensifier les programmes sociaux. Tant que panier solidarité, c'est kit alimentaire que nous gagnons à distribuer. Nous allons distribuer plus kit alimentaire au niveau de tout quartier populaire. Nous connaissons pas l'an difficile, nous connaissons pas l'an dur. Mais ça me tente mais nous connaissons, tente mais nous connaissons que nous travaillons pour nous. Nous gagnons programme Corée étudiant. Moi-même, son universitaire que mien. C'est-à-dire, je fais toute vie, moi, m'a pensé au niveau de l'université. Nous connaissons, n'est-ce pas vrai, problème étudiant gagnant. Pour faire photocopie, pour acheter livre, pour même capable, n'est-ce pas vrai, gagner accès à Internet, eh bien, nous travaillons pour étudiants. Pour nous, pour nous avoir la vie meilleure. Nous avons un programme Corée paysan. Nous distribuons en pile matériel agricole contre le piquois, contre le roux, contre le bourrette, contre le moulin pour maïs, contre le pompe pour le jardin. Nous avons un programme petit maman chéri en tout qui permet que maman yo assiste petit yo. Mais à côté de tout programme social, nous avons l'autre programme qui est très important. C'est d'ailleurs promesse campagne, président Jovenel Moïse. Nous avons logement social pour policiers. Nous connaissons que le salaire policier à recevoir ne pas permettre pour payer caillou. Chaque année, le gain pour yo ka renouveler femme kayo. C'est frapper porte à droite à gauche. Eh bien, n'ap travay. Nous déjà gen terrain que nous gagnons identifié et nous gagnons, n'est-ce pas vrai, des compagnies que nous pral bay contrat pour commencer bâti kay pour policiers yo. Rêve ça.
l'ap tourne en réalité très prochainement. Nous avons des professeurs à l'école, tout. Nous consacrons l'on professeur à l'école. Professeur à l'école, là, même si que c'est lui-même qui a formé citoyen pour demain, mais moyen que le gain, yo, ça laisse à le recevoir, il pas permettre de vivre bien. Eh bien, au niveau d'administration, Moïse Lafontaine, n'a pas travail pour nous capables de changer la vie, professeur. Yo. Pour yo ka plus digne, pour yo ka rete un côté qui respecte niveau yo comme professeur. Nous voyons que nous commençons déjà à bâtir dans toute section communale, nous, surtout côté qui était affecté par le cyclone Mathieu. Nous voyons que les gens qui étaient rete dans la grotte, y a vivre dignement dans la caille. Et comme dit nous, c'est avec que nous bâtir tout le bagage. La caille qui est très vraiment bien avec toilettes hygiéniques, etc. Combien le coûte nous? C'est équivalent à $7,000 américains. Mais que le coûte? C'est pour en façon pour me dire nous que nous travaillons pour changer la vie du peuple. Je demande nous pour ne pas craser briser. Chaque fois que nous faisons, c'est pays qui vient plus pauvre. Chaque fois que nous craser, on vite machine. Son malheureux qui font pile effort pour acheter cette machine que nous apprenons plus pauvre. C'est payant qui vient plus pauvre. Parce que payant pas fait vite machine. C'est commander, nous obligé de commander vite machine. Chaque fois que nous crasons au magasin, c'est job que Haïtien a perdu. Parce que propriétaire magasin ça yo. En pile fois, obligé de faire faillite, il est obligé de fermer les portes. Et à ce moment, c'est frère nous à soeur nous qui a perdu le job. Moi, je demande nous patience. Patience. Parce que l'administration a une vision très claire. Les gagnants. Un programme très clair que nous commençons à exécuter. Il est très simple, oui. 4000 km de route pendant les prochaines années. À raison de 100 km de route par département, par année, nous avons 10 départements. Ça fait nous 1000 km de route que nous allons bâtir chaque année. Et pendant 4 ans, ça va faire nous 4000 km de route. La plus, oui. Parce que dans pile département, monsieur a commencé à dépasser 100 km de route. Non? C'est dans tout côté dans le pays. Le pays est en chantier qu'on y a. Mais si nous avons crasé, brisé, on n'y a pas de fait. Nous avons toujours dans que camionnette. Non? Après les yogan. Nous avons une question de reboisement qui a fait dans le pays. Hein? Nous voyons qu'il y a 20 pays contre son pays qui est désertique, un pays qui n'a pas de pied bois. Mais avec bonne volonté, nous commençons par le résultat. Oui? Quand on a 300 germoplaces qui sont construites, oui? Chaque 100 germoplaces, c'est 4 500 000 plantules par année. Oui? Haïti a 1400 germoplaces. 100 germoplaces, ce sont de grands, des méga pépinières que vous avez. C'est 63 millions de plantules que nous pral produire chaque année, oui. Donc ça veut dire ça que nous mettons tête nous ensemble pour nous voir que pays nous, que qu'on a dit son pays qui est désertique, pour pays nous, n'est-ce pas vrai, tout net, Haïti chéri ça, nous t'es toujours gagné. Électricité 24 sur 24. Son programme qui commence à venir là, commence à atterrir, oui. Ou gen nan fin fond montagne nou yo. Côté que gen de paysans, yo pa jamais sacré les lumières dans vie yo, non? C'est bois pain yo te qu'on a plus mais oui. C'est contre ces même gens que dans temps de la terre
de la pierre taillée, côté que Mounio, yote qu'on a pensé conserver et du feu. C'est dans l'écosa que frère noir, soeur nous, y a vivre dans le monde. Non? Et bien, on commence à gagner lumière dans le programme Kaipam Kleré, dans pile section communale. Et le programme ça après couvrir toute section communale qui est dans le pays. Mais en mesure pour me dire, nous, par programme Kaipam Kleré, dans toute section communale pays, nous avons au moins deux télévisions avec panneaux solaires là-dedans. Côté que paysan, côté lié dans le monde, la kagade réalité, la kagade sa kap fait dans le pays. Kose ou pap kabal menti encore. C'est la première fois que nous avons de frères noirs, sœurs nous. Cap garder qui sa télévision yé. Parce que section communale qui nan mon yo. M'a dit nous ça pour moun qui pa konn pays en vraiment. Konn gen de fois obligé marcher 6 heures de temps à pied pour arriver là-dedans. Là nan département de l'Ouest nan là. Gen section communale pour monter là-dedans. C'est à pied ou à cheval pour arriver là-dedans, oui. Et koun ya n'a porter développement au niveau de section communale ça yo. Ou gagne programme, n'est-ce pas vrai, de maîtrise des eaux de surface. Eh bien, Haïti son pays qui est riche en eau, mais malheureusement toute l'eau ça c'est dans la mer aller. Et puis nous gagne des milliers d'hectares de terre qui pas arrosés. Eh bien, avec vision président, nous commençons déjà au niveau de Rivière Marion, dans la localité La Perche, dans le nord-est. Là. Nous commençons avec le premier réservoir d'eau. Hein. Mais pas le 11 réservoirs d'eau au niveau de tout pays qui a le fait. Oui. Et ça permet nous, non seulement nous quimber de l'eau, hein, dans la période de sécheresse pour nous arroser, mais de l'eau ça la permet nous générer courant même j'en ouais nous gagne lac de Pelig qui permet nous générer 54 MW de courant, n'est-ce pas vrai? Eh bien au niveau de réservoir ça yo n'a pas produit courant tout mais n'a pas fait élevage poisson ça ou les pisciculture. Donc son façon pour me dire nous que n'a pas travail pour vous. N'a pas travail pour nous kagon l'autre Haïti. N'a pas travail pour nous gagner un changement dans la vie nous. Frère Axemio, nous ne comprenons nous. Mais m'a dit nous que ça nous fait là malgré que nous mettez prix gaz nan. Dans le niveau que le doyer, eh bien, quand les voisins nous en République Dominicaine, gaz dans malgré tout, les plus chers, oui, parce que le prix que l'on a en Haïti hein, actuellement. Eh bien, eux-mêmes, depuis plusieurs années, ils ont ajusté le prix. Et ça fait peut-être qu'ils ont des moyens pour faire plus de bail dans le pays. Je vais demander nous patience. Maintenant, nous patience parce que jodi an, nous avons une équipe femme avec garçon qui est dans la tête pays, qui dédie yo, qui dédie vie yo, pour qu'a servir population. Moi mande pour tout haïtien. Ça qui dans opposition, ça qui pas dans opposition. Ça qui riche, ça qui pauvre. Ça qui parle, ça qui fonce. Pour nous mettre tête nous ensemble. Parce que nous tous, nous avons un grand dénominateur commun. Dénominateur commun, ça, c'est Haïti que lié. Mais si nous mettons tête nous ensemble, Haïti ne pas périr. Et ma ba nous garantit. Plus que jamais, Haïti sous route changement. Je vais passer la parole. Bye. DG la police, non? Qui pral dit nous
toute mesure que la prend au niveau de la police là, nous connaît que la police n'a travaille avec zong yo pour le capable, n'est-ce pas vrai, accompli mission la police là, qui de protéger et de servir. DG. SPM. Donc Jean-Pierre Soudinan, hier effectivement, et Haïti connaît un moment extrêmement difficile. En pile des ordres, en pile dérapage. Et une autre fois encore, la police s'entend bien que mal te montre à la hauteur. Nous comprenons que vous avez droit pour protester. Nous comprenons que vous avez droit pour revendiquer. Mais nous ne pouvons pas comprendre la violence en dans le mouvement. Ce n'est pas normal pour gagner des policiers qui sont victimes. Ils rapportent nous un policier qui tué dans Delma 83. Pendant que l'a tenté à la Kali et qu'il n'a pas voulu bal passage, il a détruit la ville. Nous ne pouvons pas comprendre tout pouvoir bouler bien le monde, bien la police, bouler le commissariat, quitte dans Cafoufeuille, aussi bien dans la Tibonite. Nous ne pouvons pas comprendre pour bouler la machine police. Nous ne pouvons pas comprendre pour attaquer la vie et bien de paisibles citoyens qui sont même tout capables de retrouver une revendication. Là. Mais ou attaquer eux. Ils sont victimes de ce qu'ils ont fait là. C'est peut-être ça, dans le niveau commandement PNHA, il y a des instructions claires qui passent à tout élément. Pour vous prendre toute disposition, pour vous capable de permettre à la population civile de vaquer librement à l'activité. Nous prenons toute disposition pour nous accompagner l'autre structure dans l'État, SMCR, CNE, pour vous capable nettoyer ou débloquer ou pendant que nous avons rassuré tout le monde que la police entend accompagner yo et de Kounia jusqu'à ce que yo même yo fin fait tout ça pour faire pour rentrer la caillou. Donc nous déterminer une autre fois encore pour nous faire job nous dans strict respect la loi, pendant n'a respecté droit monde, pendant n'a respecté droit constitutionnel chaque grain monde. Nous avons rappelé, devant violence, la police peut arrêter de bras croisés. Merci.